bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien réveillonné. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la première semaine de janvier. On va voir quelles sont les énergies. Avant toute chose, mes meilleurs vœux, que tous vos rêves, désirs, projets, ambitions se concrétisent de la manière la plus parfaite et la plus magique possible. Que la prospérité, l'abondance, la joie, la santé, la bonne humeur, le bonheur, l'amour et voilà, tout ce que vous désirez se déploie devant vous en tout temps, en tout lieu, en toute heure. Je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, en plus ça rime. On y va pour les énergies de cette semaine. Alors on a Jupiter qui a terminé sa rétrogradation donc le week-end du 30-31 décembre 2023 et Mercure qui termine aujourd'hui sa rétrogradation. Alors on a la Renaissance, sortir de sa coquille, de son œuf. On a la purification. Ah, une situation alors qui était conflictuelle, qui était presque vouée à l'échec. Sans espoir, c'est ce qu'on me dit là tout de suite, qui est en train de s'apaiser, qui vous permet de prendre un nouveau départ. On a lait et miel qui voulait sortir, hein, donc le pays de Cocagne, là où les choses se concrétisent, même si elles paraissent impossibles. Alors on vous parle de fondation solide et de pouvoir supérieur. Vous avez le pouvoir de surmonter n'importe quelle situation. Ces situations sont faites pour vous révéler à vous-même, pour sortir de votre coquille, pour aller vers quelque chose de concret. On a la récolte ici avec le signe de la Vierge. On parle aussi de purification, de dévotion, de travail qui porte ses fruits. On a l'abondance, hein, donc cette renaissance est assurée. Je vais compléter avec celui-ci, une fois n'est pas coutume. Alors, il y a trois cartes qui sont tombées d'un autre jeu que je n'avais pas prévu de prendre. Tiens, fluidité. On a un fardeau qui s'apaise, quelque chose qui, voilà, qui se libère, qui se calme. Et on a la générosité. Alors, persévérance. Oui, vous avez le pouvoir et on vous dit de persévérer dans une situation qui n'est pas forcément évidente, là, tout de suite, maintenant. Alors, avant que je roule dessus, qu'est-ce qui est tombé ? Par curiosité, je regarde. Alors, balayage du passé, mariage, union, parents, voyage étranger. On va voir hein, si je vais reprendre ce jeu. Là, c'était juste parce que c'est tombé. Alors, j'y ai même pas touché. Donc, c'est assez particulier. Mais bon, pourquoi pas. Alors, on y va pour le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine du 1er janvier? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, en stock, en énergie? Le chariot. Alors là, on a une très belle entrée en matière. On a la justice en dodèque de l'âme majeure. On prend conscience de son potentiel, de son pouvoir. On quitte une année 7 pour aller en année 8. Alors, la justice dans le tarot peut être en 11 ou en 8. Mais là, cette année 2023, enfin, on entre dans l'année 2024 avec l'état d'esprit suivant. Je suis capable d'aller où je veux. Quels que soient mes objectifs, je persévère. Même si les circonstances actuelles me montrent tout l'inverse, je vais faire preuve de, comment dire, d'ouverture d'esprit. Fluidité, ouverture d'esprit, c'est presque pareil. On a aussi quelque chose qui coule de source. Dans cette renaissance, je récupère aussi les fruits de mon travail, les fruits du labeur. C'est l'année 7, hein, 2023. C'est une année d'introspection, de bilan, d'efforts aussi. Et ces efforts payent puisque vous avez une nouvelle vision de vous-même. Un juste équilibre entre le cœur et le cerveau. C'est-à-dire, j'écoute mon cœur, mes envies, mes passions, mes désirs, ce que j'adore faire, tout ce qui me porte, tout ce qui est porteur de sens. On peut parler aussi d'ikigai avec le métier, la raison de vivre, tout ce qui est ambition, tout ce qui est carrière, tout ce qui est en fait tout, voilà, pour simplifier, tout ce qui vous porte, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait frétiller, c'est un travail d'âme, est en train de se concrétiser, de se matérialiser. Et le cerveau, lui, c'est un peu coucouche-panier, c'est-à-dire, ok, dans cette situation où ça peut paraître un petit peu... voilà, on a Vierge et Verseau. Là, on a Verseau, Vierge, on a Cancer. Vous le savez, vous le sentez. Regardez, derrière, on a le mariage. Mais il y a effectivement eu la chute de l'ego, c'est-à-dire de devoir libérer tout ce qui était mentalement une entrave à son pouvoir supérieur. Alors, encore du 7. Franchement, si on a un 7 de coupe, là, on aura du 7-7-7. Ou un... voilà, je ne souhaite pas que le 7 d'épée sorte. Le 7 de bâton, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Oh, très joli. 8 d'épée renversée. On vous dit que cette situation, c'est comme si ça vous obligeait à sortir de votre coquille et à faire preuve d'ouverture. Il y a alors les fondations solides, la générosité, le don de soi, la dévotion, la récolte, avec le signe de la Vierge et la générosité. Il y a aussi, voilà, ce que je donne, je le reçois, je le capitalise en étant pragmatique. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Eh bien, des fois rien. Donc je laisse couler et c'est là que justement les solutions apparaissent. Avec un 8 d'épée renversé, un sentiment de culpabilité, l'insécurité, tout ce qui est doute, tout ce qui est inquiétude se termine. Il y a une solution. Et oui, on a l'impératrice. Pour moi, c'est une renaissance, hein, carrément. Alors, cavalier de deniers. Des plans, des projets et roi de coupe, maturité émotionnelle, après une période un petit peu, je vais pas dire fermée, mais où peut-être rien ne se passait. 5 de coupe, oui, où il y a même quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que ça s'est pas produit, ça a généré un chagrin, un trou, un vide, et on s'est dit, ok, là, moi, ça me fait prendre conscience que je peux compter sur moi-même dans cette situation. Au lieu de me tourner vers l'extérieur, je vais me tourner vers mon pouvoir intérieur. Pouvoir supérieur, c'est l'empereur. Et on a vu l'impératrice traîner dans les énergies. Donc il y a ce yin et ce yang qui se complètent parfaitement dans la situation actuelle. Alors on a juste celle-là qui est yang, dans le chariot. Hein, on a quelque chose voilà, qui est de l'ordre de la conquête, d'aller de l'avant, comment dire, de persévérance, mais aussi d'entrée en matière. Donc on est plutôt dans le yang, l'action, enfin pas la récupération, mais je veux plutôt dire le gain. Et toutes les autres énergies sont yin. Un 8 d'épée passif comme ça, enfin retourné, c'est aussi de l'accueil, de l'espoir, de l'optimisme qui revient, et c'est plutôt intérieur. Là, on a deux cartes de denier, hein. Un roi de coupe qui nous parle aussi de maturité émotionnelle, de stabilité émotionnelle, avec la persévérance, même dans les circonstances les plus pénibles. Alors, il y a une vidéo coaching, hein, qui est sur mon site web, sinon c'est sur Patreon, et ça s'appelle comment faire avec les circonstances désagréables, comment gérer cette matière qui nous envoie quelque chose de pénible à vivre, comment on peut surmonter ça, comment on peut affronter la situation, qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour retourner les choses en sa faveur et surtout arrêter une spirale en fait. Hein, parce que souvent quand on réaffirme dans l'instant présent, voilà, c'est en train de se passer, ça me saoule, ça me gave, ça se passe pas comme je veux, en fait c'est comme si on réordonnait à l'univers de nous en donner plus parce qu'on est concentré là-dessus. Or on veut des fondations solides, on veut quelque chose qui avance, on veut quelque chose qui se stabilise. On peut avoir aussi en projet, alors pas que dans le développement personnel ou spirituel, mais aussi en amour, quelqu'un qui assume ses sentiments. Alors que là, on voyait que c'était pas terrible quand même. Hein. Cette carte, elle est pas sympa à vivre. Donc on a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On vous dit en fait, ça a été un travail intérieur sur la gestion émotionnelle et égotique. L'ego, il va toujours vouloir chercher à comprendre, à contrôler, à diriger pour obtenir, alors que l'âme, le cœur, va dire non, mais tu sais quoi, tu le sais. Tu le sais, c'est un savoir profond, tu sais qu'il y a quelque chose de mieux derrière, tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, même si tu ne vois rien. Et souvent, on est en conflit entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'il y a pu avoir une période où vous avez eu affaire à quelqu'un qui protégeait ses intérêts, ou qui était égoïste, entre guillemets. Voilà. Et vous avez arrêté de courir après. La générosité, c'est ce que je donne, je le reçois. Donc il y a une situation qui s'améliore vraiment et on vous dit de purifier. Voilà, ça peut être aussi, là on a l'énergie un peu de la tour, hein, la maison Dieu, un effondrement, quelque chose qui a été complètement déstabilisé ou déstabilisant et qui en fait vous permet plus de flexibilité, d'ouverture d'esprit. Voilà, je purifie, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Alors on va prendre des messages ici, éloignement. Expédition. Ouais, j'ai l'impression que vous prenez votre envol en fait. Avec l'éloignement, j'ai cette notion, voilà, on a la route, on a l'amour, alors société, inquiétude. Ouais, je vais les garder parce que j'ai gardé la route et l'amour. Il n'y a pas de raison que je jette ces deux cartes.
Et on a alors femme blonde, femme en place, ça c'est vous, donc qui faites preuve de maturité émotionnelle. On vous dit de vous, avec la société, je dirais, de mettre en place un système, parce que la société c'est la mise en place d'un système qui est basé sur du pragmatisme. On vous dit arrêtez de vous inquiéter, d'ailleurs le 8 d'épée nous le confirme, le 8 d'épée renversé. On arrête, on se tourne vers des solutions beaucoup plus compatissantes, aimantes, dans le sens, ok, là j'ai peut-être pas toutes les réponses, donc je vais déjà bien me parler, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. Là, c'est marqué sur vous, hein, donc on a le parent, homme méchant, homme vicieux, eh ben dis donc, ok, on a quelque chose comme un dialogue intérieur qui est basé sur il faut, je dois, donc ça c'est l'ego parental, pas basé sur vos parents. En fait, c'est basé sur le modèle dans lequel vous avez été construit. Donc, c'est en fait le basculement d'une mini-société à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, ok, je vais destituer le despote. Voilà, destituer le despote. Le despote intérieur, c'est le mental qui va dire, oui, mais regarde, t'es pas capable. Oui, mais regarde, dans cette situation, voilà, t'as tout flingué, t'as raté, t'es une ratée. Voilà, ça c'est le despotisme à l'intérieur de soi, c'est son dialogue intérieur basé sur l'ego, basé aussi sur les croyances et les devoirs, les obligations, donc la peur de ne pas être utile, la peur de ne pas exister pour soi, la peur de ne pas être reconnu. Donc on est vraiment dans la, on va dire, la blessure de trahison qui s'efface peu à peu. Dans cette situation, vous êtes peut-être senti injustement traité ou vous avez peut-être été injuste vis-à-vis d'une situation, c'est-à-dire peut-être que en étant tombé dans un système de je veux être reconnu, je fais les choses pour les autres, pour avoir une sorte de reconnaissance, ça n'a pas fonctionné comme ça, c'est injuste, et puis bim badaboum, bah non en fait, je vais persévérer mais en faisant d'une autre façon. Ce qui va être très significatif cette semaine, c'est que on a quelque chose qui, je ne vais pas dire renaître de ses cendres, mais avec le 8 d'épée renversé, l'amour dessus. Oui, on s'éloigne de tout ce qui n'est pas fait pour nous, de tout ce qui ne porte pas ses fruits. On va vers quelque chose de porteur. Alors, c'est ici hein, qu'on va avoir une approche plutôt pragmatique. Alors, on s'éloigne aussi des personnes jalouses, jalouses de notre potentiel, jalouses de ce qu'on met en place. Voilà, il y a cette fidélité. Ok. Alors, je vais les mettre comme ça on voit tout. Et regardez en d'autres decks, hein, on a la souplesse, la légèreté aussi qui a voulu sortir. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les projets, avec l'amour et la fin des inquiétudes, la fin d'une situation où vous vous sentiez bloqué. Regardez bien, on a le 8 ici, sur le 8 d'épée. Sur l'inquiétude, cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a? Égarement. Oui, donc c'est vraiment de mettre en place un système pragmatique. Voilà, de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je envie? Est-ce que j'ai le matériel pour? C'est comme construire une maison. Qu'est-ce qui est tombé là? La durée, ok. C'est comme faire les plans d'une maison et se dire, ok, avant de faire les plans, de quoi ai-je envie? De quoi ai-je besoin? Combien de salles de bain, combien de chambres, un bureau, le salon, est-ce que la cuisine est séparée, est-ce qu'il y a des toilettes en haut, des toilettes en bas, etc., etc. Et en fait, à partir de là, vous allez vous dire, bon, bah ok, quel budget, où est-ce que j'ai envie que, enfin, voilà, d'habiter, d'implanter ce nouveau départ, cette maison. En fait, c'est un exemple, hein, ça ne parle pas de déménagement, mais ça parle plutôt d'une manière de faire qui va être beaucoup plus basée sur du concret. C'est-à-dire, voilà, concrètement, de quoi ai-je besoin? Concrètement, qu'est-ce que j'ai envie? Concrètement, où est-ce que c'est? Concrètement, etc., etc. Et en fait, vous allez voir qu'ensuite, les choses vont se mettre en place. On vous dit que si, en fait, vous vous égarez dans le sens, bah voilà, je tourne en rond, vous ne pourrez, enfin, vous mettrez en place des fondations, mais elles ne seront pas forcément aussi solides que voulu. Là, on vous dit en vous apaisant. Alors, avec le roi de coupe, on peut aussi parler de méditation. On peut parler de guérison, on peut parler de thérapie,
Moi, en ce moment, je fais beaucoup de sonothérapie, c'est-à-dire que je vais faire chanter les bols, je vais, voilà, comment dire, passer du son sur moi, enfin vraiment à côté de moi, pour pouvoir ressentir cet apaisement intérieur. Il y a des vidéos hein, qui sortent et qui montrent vraiment ce que ça fait hein, sur le cerveau, sur les ondes, sur aussi les cellules. Je vous conseille le livre de Masaru Emoto. Moi, c'est depuis 2020 que ce livre est comment dire, pas mon guide, je vais pas dire ça comme ça, mais vraiment un outil qui m'accompagne et qui me permet de me recentrer assez facilement. Alors, sur justement ce roi de coupe, fragilité et regain. Alors, on a quelque chose, ouais, c'est une transition, légèreté, solitude, amour, oubli, négligence. Ouais, vous réapprenez à vous occuper de vous sans vous inquiéter du qu'en dira-t-on, sans être dans l'hyper-dévotion ou l'hyper-loyauté, c'est-à-dire peut-être voilà, dans des situations où on vous a fait culpabiliser. Par exemple, les parents, des fois, peuvent vous dire, bah oui, mais si tu t'éloignes trop, comment je vais faire sans toi? Imagine, il m'arrive un truc. Voilà. Et en fait, vous allez vous dire, ouais, mais moi, je dois m'éloigner. En fait, de cette comparaison, la jalousie, c'est une forme de comparaison dans le sens où on a du 6. Le 6, ça va parler de l'amour ou de la famille. Et en fait, en étant hyper dévoué, hyper loyal, on peut se trahir soi-même. On peut trahir ses envies, ses projets, ses aspirations. Et là, on vous dit, en fait, la comparaison, c'est ouais, mais si je fais ça, ceci, ouais, mais si je fais ça, cela. Là, on vous dit simplifiez tout pour que ça soit fluide et que vous puissiez récolter et que vous ayez en retour aussi avec la générosité, c'est parler d'avoir quelque chose en retour qui soit la même, comment dire, de la même teneur énergétique, donc du bien-être, on va dire de la simplicité, du bonheur, de la joie, de la reconnaissance. En fait, il va falloir reconnaître en vous tout ce potentiel. Là, on vous parle de fragilité, de regain, parce que c'est une période transitoire où justement, vous êtes comment dire? Ah, tiens, là, on a du 7. Voilà, je viens de le voir, 61. C'est une période transitoire un peu fragile parce que ce que vous venez de quitter est encore très proche. Donc, il pourrait y avoir des petits tests, des petits rappels, des gens qui se rappellent à vous. Ouais, mais tu sais, quand en 2013, ceci, cela, machin, et vous allez dire, ouais, mais non, moi, je continue ma route, je vais être fidèle à moi-même, fidèle au travail que j'ai mis en place. Il y a une récolte et surtout, il y a un regain dans les projets et dans les projets amoureux ou dans ce que vous aimez faire, parce que ce n'est pas forcément sentimental, là c'est général, qui va vous permettre justement, en changeant d'approche, de ne plus vous égarer, de ne plus vous disperser, de ne plus trop donner aux autres et de pas assez à vous-même. Hein. La négligence, c'est ça. Et surtout, d'avoir une reconnaissance de vos sentiments, de vos sensations avec ce roi de coupe. On vous dit, c'est en cours d'acquisition cette intelligence émotionnelle. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner dans cette situation, parce que ça, c'est une fleur qui pousse en plein désert, hein. Donc ce qui paraissait mort va renaître, on vous dit foutez-vous la paix. Voilà, c'est le meilleur conseil, foutez-vous la paix, accueillez vos émotions, même les négatives, les injustices, comme quelque chose qui se rappelle à vous, parce que l'ancien vous est en train d'être foutu à la poubelle, on va dire ça comme ça, dans le sens, voilà. J'ai fait ce bilan de ce que je veux, ce que je veux pas. Moi, je veux quelque chose de fluide, je veux quelque chose de significatif. Et je vais m'éloigner de tout ce qui ne me correspond pas. Alors, éloignement route, je vous épargne le fait que vous allez vous déplacer cette semaine, mais il pourrait y avoir quelque chose de significatif, c'est-à-dire par rapport à vos projets. Donc, ça peut être un entretien, ça peut être. Ouais, moi j'ai de l'ordre du déménagement aussi avec le chariot 7 de denier. Voilà, ça peut être la mise en place d'un nouvel environnement. Je dirais, en fait, je pense aux pots de terre. C'est-à-dire, pour que ma graine puisse pousser,
je vais changer d'environnement. J'ai fait ce bilan-là, j'ai une approche très terre à terre, donc voilà, avec la terre, le terreau, et surtout pour que ce soit fertile, pour que ce soit porteur, il faut que je puisse changer d'environnement. Un environnement où je dois m'éloigner de certaines pensées, de certaines ambiances, de certaines personnes, pourquoi pas, le temps qu'elles travaillent de leur côté, hein. Parce que s'il y a un regain, c'est très possible qu'il y ait des réconciliations. Alors, on va maintenant passer au plan sentimental. On va aller voir qu'est-ce qu'on a comme message. Alors, sur le plan sentimental, ah, 6 de coupe. Ok, bon, bah là, direct, on parle de rêve, de simplicité, peut-être de nostalgie ou de tendresse. On a un cavalier d'épée. Derrière, on a le fou. Ouais, y a une envie de faire table rase. Cavalier de bâton. Il y a du mouvement, il y a de la passion qui revient. On a 3 deniers, le partenaire, la partenaire de vie. la co-création, l'as d'épée, on y voit clair. Et on a un roi de bâton qui ressort avec un 9 de coupe. Alors, ça va être une semaine très spéciale parce qu'il y a une transition entre ce que vous voulez plus et ce que vous voulez. Et il va falloir se positionner. Et surtout, alors ce qui va vous aider, c'est de canaliser votre cerveau, de vraiment le diriger. Voilà, j'ai bougé, j'ai obtenu, je suis en joie, il y a la passion qui revient. Donc pour les couples plutôt souffrants, les liens en souffrance, dirigez-vous vers la joie, dirigez-vous vers ce qui vous passionne. C'est là que vous allez clarifier vos intentions et que certaines choses vont commencer à se mettre en place et se construire. Et surtout, vous aurez le fuego, le fuel nécessaire, l'énergie nécessaire pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la motivation, la persévérance. Voilà, persévérance en dos de deck. Regardez, derrière, d'ailleurs, on a la maîtrise de soi, on a l'abondance. Ok ? Donc, l'abondance, c'est la fluidité. Fluidité, il y a l'abondance. Jupiter, c'est un amplificateur. Hein. C'est la chance, mais c'est aussi la malchance. Donc, il va basculer dans ce que vous générez, en fait. C'est-à-dire qu'il va vous suivre. Il va dire « Ok, t'en veux encore plus ?» Voilà. Donc, attention à ce que vous alimentez. C'est pour ça que vous vous tournerez vers des choses positives, que l'approche change. C'est-à-dire une approche beaucoup plus terre à terre et qu'en changeant d'environnement, même mental, hein, vous allez pouvoir clarifier vos intentions. On a noble, alors attendez, on a traître et on a noble. Je vais la remettre à l'endroit. J'en veux qu'une, une par une, s'il vous plaît. Vers quoi vous vous dirigez sentimentalement cette semaine? La maison, ouais, c'est à l'intérieur de soi, sur le cavalier d'épée. Clôture. Alors, ici, ennui et on a surprise. Ici, sur le 3 de denier, l'as d'épée, on a ecclésiastique. Ok, et on a des nouvelles. Alors, ecclésiastique. Friponnerie. Alors, c'est tout l'inverse de l'ecclésiaste. Hein. Le fripon, c'est, voilà, c'est un peu un bel ami. C'est quelqu'un qui est versatile. Volage, ouais. Et l'ecclésiastique, c'est quelqu'un de sérieux. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un qui s'avère être finalement beaucoup plus sérieux qu'on ne le croyait? Qui va vous surprendre en fait, dans le sens où, en vous positionnant sur vous-même, ouais, j'ai vraiment cette sensation que on a quelqu'un qui, ouais, indécision, qui correspond presque à vos peurs, en essayant de, voilà, de rendre ça sérieux, la personne s'est montrée encore plus, comment dire, pas volage, mais elle a encore plus fui, vous voyez. Et là, alors, qu'est-ce qu'elle va décider? On a l'eau, on a les propos. Ok, donc on a la lune, le passé. Ouais, on a quelqu'un qui n'était pas forcément très sérieux. On a quelqu'un qui n'était pas forcément très, comment dire, euh,
Très investi. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Désolée pour le blanc. On a l'union. Je recommence. Je remets les cartes dans le paquet. Je veux voir ce qui ressort, si ça ressort. On a l'obstacle. Donc, c'est le mental. Sur ce cavalier de bâton, courroux. Sur le 3 de denier, on a chagrin. Alors, la même carte est ressortie, mais cette fois-ci à l'envers. Ouais, ça vous oblige. Ok. Y a un retard parce que vous devez vous éloigner. En fait, pour que ça puisse fonctionner, c'est paradoxal. Vous devez tout lâcher, vous reconcentrer sur vous, laisser cette personne, en fait, pourquoi pas s'éloigner. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous pour regagner en énergie, pour libérer une sorte de feu intérieur qui est courroucé. Hein. Le courroux, ici, ça correspond bien à cette carte. C'est-à-dire, voilà, ça ne se passe pas comme je veux. Pourtant, il y a derrière les projets, le mariage, le partenaire, donc ce 3 de denier qui est là. Et pour que votre vœu puisse se réaliser, on vous dit persévérer, mais en faisant vraiment différemment. C'est pour ça aussi qu'on vous dit d'avoir une approche différente sur la situation. Il y a forcément des choses qui vont revenir, qui vont reprendre de l'énergie. Mais là, c'est avant tout vous qui avez besoin de vous éloigner de certaines pensées négatives, de peur, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur que cette personne ne soit pas investie, ne soit pas motivée, ne soit pas sérieuse. Et en vous disant, ok, moi, de toute façon, je suis motivée, je suis investie, je suis sérieuse, sérieux, j'ai une vie à accomplir. En fait, vous allez retourner l'énergie, vous allez complètement la transmuter, et c'est là que certaines choses vont se passer, parce que vous serez en fait dans un état de contentement avec le 9 de coupe, ce qui vous permettra justement d'avoir encore plus de contentement. Jupiter est un amplificateur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans l'évolution? Vers quoi vous évoluez? Déjà, alors, l'écureuil et l'écureuil. Ok, on va les mettre là. Donc, on parle d'économie, la route. Alors, on parle aussi de quelque chose qui n'est pas forcément linéaire. Oui, on a le 15. Alors, tourner vers le bleu, ça va être vraiment la passion, le désir, mais ça peut être éphémère, alors que nous, on veut quelque chose de, comment dire, de sérieux. On a un homme blond, consultant. On s'en fout de la couleur des cheveux. Hein. Là, on a la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez. J'ai l'impression que... Oui, on a vous, en d'autres decks. J'ai l'impression qu'elle est en train de vous observer. Et on va voir distance. Elle est prudente. Sexualité. Ouais, ce qui va la rapprocher, c'est le désir qu'elle a pour vous aussi. Alors, séparation. Attendez, bouclier. Vous voyez, on a maison bouclier. Vous devez vous séparer aussi d'une idée préconçue sur elle, qu'elle ne veut que du sexe avec vous. On a la naissance, homme. Oui, elle est tournée vers le matériel et peut-être en ce moment des plaisirs volatiles, des plaisirs immédiats. Et vous décidez aussi, comment dire, alors de persévérer tout en lâchant. C'est-à-dire, ok, je sais qu'on a un lien, il y a un lien, de toute façon vous ressortez, mais ça ne sert à rien de me prendre la tête sur le pourquoi du comment. Je vais tout lâcher. Et là, on a accusation. Homme. Ouais, je pense qu'il y a eu... Alors là, ça va surtout concerner les personnes qui sont en dispute, en silence radio, en séparation, en éloignement. Sur la séparation, alors on va prendre celui-ci. Distance, séparation. Alors... Retour d'amis. Ouais, ok. Bonne union des cœurs. Joie, succès, d'amour. Hein. Pour ça que je ne suis pas catastrophée. Bonne nouvelle de famille. Je ne suis pas catastrophée parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'il se passe ça pour que la personne en face réalise. C'est-à-dire, ok, toi tu veux ça, tu veux pas du sérieux. Voilà, imaginons que vous venez de la rencontrer.
Et la personne vous dit non, mais moi, j'ai juste envie de machin, de plaisir, de prendre du plaisir, prenons du plaisir ensemble. Va prendre du plaisir tout seul ou ailleurs, mais ou toute seule. Mais l'idée, c'est d'être en accord avec vous-même pour que ça puisse fonctionner, même si vous avez l'impression que c'est une séparation, que vous devez prendre vos distances, c'est pas plus mal parce que c'est peut-être là que la personne va réaliser comment elle doit vous traiter. Homme de commerce adroit et ingénieux. Homme intelligent, homme emporté mais bon, et regardez là ce que je vois, petite satisfaction de cœur. Alors on a l'homme et la femme. Maintenant, ouais, je pense que la personne a fait un, enfin excusez-moi l'expression, mais un gros caca nerveux. Voilà, c'est ce qui me vient. Vous avez fait ouais bon ok, tu sais quoi? Moi je veux quelque chose de solide. Donc finalement, si ça correspond pas, c'est pas que la personne ne vous correspond pas, c'est peut-être qu'il y a un décalage et que c'est l'approche qui va vraiment tout changer. D'accord? Il y a eu un décalage dans vos envies mutuelles. Pourtant, on voit hein, qu'il y a quelque chose de, comment dire, un lien très solide. Mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a provoqué une situation pour en faire qu'à sa tête. Ça fait un peu penser à la crise de la quarantaine, mais dans le sens où la personne a comme un, comment dire, en faisant qu'à sa tête, elle travaillait certaines peurs, la peur de vieillir, la peur de tomber en désuétude, voilà. Et que finalement, vous en étant dans la construction, dans l'envie et l'intelligence émotionnelle qui était, on a vu, un peu fragile, vous avez envie de solidifier tout ça, vous allez prendre la décision de vous éloigner de son caca nerveux. Et c'est là que la personne va se dire, ouais, mais en fait, si je perds cette personne, donc vous, bah, je vais tout perdre. Et c'est là que les choses vont changer. Parce que là, on voit quand même un retournement de situation. Je vous dis, la chance va s'en mêler. Au début, moi, je pense qu'elle s'est servie de la situation pour vous accuser de tous les torts, pour vous balancer à la tronche des choses qui ne vous concernent même pas. Vous avez dit, ouais, tu sais quoi, ok, voilà, machin. Ok, fais-en qu'à ta tête, c'est pas grave. Moi, j'avance parce que j'ai une vie à mener. Et c'est là qu'elle se rend compte de votre valeur, de votre importance, pouvoir supérieur. On a vraiment l'énergie féminine par excellence, dans le sens, ok, j'accueille, très bien, j'affronte, j'accepte, mais si je ne suis pas d'accord, je vais aller vers ce qui est vraiment porteur de sens pour moi. Et là, vous lui donnez une leçon. Moi, je pense qu'elle a une leçon karmique. Regardez les disputes répétitives. La solitude. Bon, la tour où ça peut parler aussi de mettre un cadre, mais de faire différemment. Là, on a une personne qui, pendant cette séparation, est en train de sonder son cœur. Bon, bah voilà, elle est sortie. On a quoi d'autre? Les dés, la chance. Regardez, le hasard et la chance qui s'en mêlent. Je la remets dans le. Et on a le fardeau. Elle est en train de regarder comment elle peut faire. C'est pour ça qu'elle est isolée. Moi, je ne serais pas étonnée qu'on ait la carte, par exemple, respecte mon silence. Alors, j'ai créé un guide hein, pour le silence radio, justement. Alors, je me libère. Ouais, elle était perdue. Hein. Je pense aussi qu'elle a fait n'importe quoi. Si vous étiez déjà en séparation avant, je vais dire, les 3 derniers mois. Peut-être qu'elle vous a accusé, qu'elle a, comment dire, qu'elle a écouté que ses envies, qu'elle a été vers des choses éphémères. Imaginons que vous la voyez avec une autre personne ou alors sur des sites de rencontres. Laissez-la faire. Dites-vous que vous, vous êtes accompagné, vous êtes protégé et en vous éloignant de ça, en ne donnant pas de, comment dire, de teneur. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un commence à partir en vrille, si elle refuse mon aide, si elle n'écoute pas, elle n'en fait qu'à sa tête, je me dis bah, très bien, c'est son chemin, elle doit travailler quelque chose, je n'ai pas à m'en mêler, grand bien lui fasse, souhaitons-lui le meilleur, et je m'en occupe plus. Et en fait, c'est là que justement les choses peuvent se libérer, on parle de fluidité de libération, dans le sens où elle travaille ce qu'elle a travaillé. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Moi, je pense que elle a vraiment très conscience de son attitude, de son comportement,
qu'elle a dû faire des choses qui vous ont énervé à juste titre, et au lieu de vous énerver, vous vous êtes dit, ok, c'est quoi, je m'éloigne. Voilà. Il y a un moment donné où ça suffit, stop. Je ne vais pas payer les pots cassés. Tu as envie de faire ton petit, ton petit caca nerveux, bah fais-le. Donc on a quand même le masculin qui est beaucoup ressorti. Est-ce qu'il va apparaître cette semaine? Moi, je pense que cette semaine, ça va être une semaine d'introspection. Là, on a retour d'amis, bonne union des cœurs, bonne nouvelle. Un homme, il est sorti sur tous les jeux que j'ai utilisés là. Donc, c'est assez fou. Enfin, c'est assez intéressant. Allez, on va mettre retour d'amis et on va voir si cette personne revient. Malgré la distance, sa séparation, on vous dit de ne pas vous concentrer sur ces circonstances. Ces circonstances sont le fruit de quelque chose de passé. Donc, plus vous allez vous concentrer dessus, plus vous allez donner de l'énergie à cette chose du passé. Et ça ne vous fera pas du bien. Donc on vous dit, éloignez-vous aussi de ça. Et ça va permettre aussi un renouvellement et un fluide énergétique qui va pouvoir faire que les choses se mettent en place. Ici, on a la sexualité, je ne vais pas dire débridée, parce que ce serait un peu un jugement à l'emporte-pièce, mais on a plutôt une personne qui veut exercer son contrôle, son influence, qui veut peut-être vous séduire, mais à des desseins pour les... célibataire, hein, je parle, s'il y a une rencontre, tenez bon, parce que vous allez justement donner l'heure à cette personne qui va se rendre compte que vous avez des principes, que vous avez de la valeur, que vous la reconnaissez. Parce que si vous acceptez en espérant un changement, en fait, non, puisque vous avez cadré pour que ça se passe comme ça. Alors, c'est la carte numéro 15 de la berlue ou pas? Dépendance sexuelle, expérience marginale. Ok, d'accord, je regardais à quoi ça correspondait. Il y a peut-être dépendance. Moi, j'ai l'impression aussi que dans cette situation, vous allez lui manquer. Mais au début, alors, ce qui va un peu la réveiller, c'est qu'elle ne vous a plus sous la main et qu'avec vous, ça se passait bien, qu'elle était quand même écoutée, comprise et qu'elle va essayer de, comment dire, pas de négocier. Mais de regarder comment elle peut faire. Moi, j'ai vraiment la sensation que ça concerne les personnes où ça a été la totale merda. Enfin, pardon, mais voilà, j'ai pas d'autres synonymes. Je vais prendre lequel. J'ai envie d'en savoir plus sur la situation. Allez. Ouais, elle est perdue. Elle s'est égarée, en fait. Alors, vague. Là. L'abondance qui arrive, quelque chose qui est grosse vague. Hein. J'ai l'impression que là, le retour en marche directe de Jupiter et de Mercure va faire que certaines choses vont arriver par flot. Beaucoup de choses vont arriver en même temps. On a 19, se recentrer sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on a? La femme, donc vous, donc la personne qui regarde la vidéo, on a le repos, le lit. On a le manque, les pleurs qui sont derrière vous. Et on a la bougie, l'espoir, quelque chose qui se passe aussi que vous ne voyez pas. Donc on vous dit garder espoir, c'est rester optimiste en fait. Hein. Moi, je ne suis pas fan de l'énergie de l'espoir parce que c'est de l'attente. Par contre, être optimiste, et j'avance et je sais que ça va bien se passer. Alors, ouais, il y a un tourbillon, un triomphe. Il y a aussi le fait de ne pas vouloir voir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, bon, bah, ok. D'être aveugle et de... Alors, fermez les yeux, écoutez-vous. Parce que dans cette situation, en fait, j'ai l'impression que la personne a été plutôt aveugle, qu'elle a été dans le déni. Que vous, ça vous fait travailler votre cadre, vos valeurs. On a les vacances, le repos. Alors, il se peut... Qu'est-ce qu'on a ici? La lumière qui revient. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit travaillé de beaucoup plus lointain. Oui. Là, on vous dit que c'est un rapport avec la jeunesse, à votre image de vous-même quand vous étiez adolescent, adolescente. On vous parle aussi d'enfants. Alors, attention grossesse. Hein. Enfin, attention grossesse. Dans 9 mois, ça donnera un petit vierge ou une petite native du signe de la Vierge. Donc voilà, on a ça, hein, on a le lit, on a l'enfant. Donc ça peut parler
de grossesse. Alors, il peut y avoir aussi, voilà, une personne qui refusait de voir. Je vais quand même interroger cette une dernière ligne. Alors, invitation. Ouais, regardez le conflit qui est derrière maintenant. On a quoi d'autre? On a coupé avec ce qui ne vous correspond plus. On a un nouveau départ. Ouais, vous le savez, vous le sentez. Maintenant, donc, ouais, ici, on a quelqu'un, je pense, qui est assez, comment dire, autocentré. Puéril, puéril, j'entends. Comme quelqu'un en pleine crise de puberté, quoi. Allez, la dernière. Alors, la dernière, on a l'hiver. Attendez, il y en a deux qui sont tombés et j'ai du mal à les choper. Bon, on a toujours la lumière en dodèque, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Je pense aussi qu'il va y avoir des révélations. Une personne qui va se rendre à l'évidence, qui va avoir une sorte d'épiphanie, qui va, bah d'ailleurs c'est l'épiphanie, qui va avoir une sorte de, comment dire, de réalisation et qui va arrêter de faire n'importe quoi en fait. Là, on a vraiment quelqu'un qui, moi je vous dirais, je vais pas vous dire de vous méfier, mais de vous préserver, c'est-à-dire de vous recentrer sur vous-même, de couper avec ce qui ne vous correspond pas. En fait, on en revient un petit peu à ce qui était dit avant, c'est-à-dire que certaines choses vont arriver par vagues et qu'en prenant le temps, vraiment, ne vous précipitez pas, ne répondez pas tout de suite à cette personne, par exemple, parce que en prenant votre temps, vous allez savoir décrypter le vrai du faux. Alors oui, quelqu'un qui refuse, voilà, pour l'instant, de voir, qui est dans l'illusion, qui se masque la vérité, qui est dans le déni le plus total. Et qui est en train de se dire, oups, oups, oups. Alors la pause, ok. Révélation, très bien. On a l'image de soi. Ce que fait ou dit cette personne, mais carrément son problème, en fait. Ça ne doit pas déterminer comment vous vous sentez. Voilà, ce que fait ou dit cette personne ne doit pas déterminer comment vous vous sentez. Et c'est là que, justement, vous allez solidifier. Alors, on a la maîtrise de soi, on avait la persévérance. Vous allez en fait envoyer quelque chose de puissant dans cette situation. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Les ajustements qui sont requis. Elle est en train de faire les ajustements. La vide de course. Rien ne sortira de cette situation pour l'instant, mais on vous dit, ayez foi en vos rêves. Il faut qu'elle ait cette épiphanie et il fallait que vous soyez peut-être écartés, séparés, éloignés. Ouais, vous êtes vraiment très proche d'atteindre votre but, c'est ce qu'on vous dit. Alors je vais, voilà, je vais recadrer parce que quand même, hein, on veut de la qualité en 2024, n'est-ce pas? Sur l'image de soi, un temps pour guérir. Ok, et sur l'illusion. Croire en l'impossible. Et on vous dit, voilà, au lieu de stresser, regardez, il y a une image beaucoup, il y a un tableau beaucoup plus grand. On a aussi l'influence de Jupiter. Alors, ce qui est marrant, c'est que on n'a que des phases lunaires. Donc, pour moi, c'est qu'une phase à passer. La personne, elle a tapé une phase. Voilà, c'est ce qui me viendrait à l'esprit, là, comme ça, en termes d'expression. Elle est en train de taper sa phase et il faut qu'elle puisse se rendre compte par elle-même. Allez, où ça va, sentimentalement parlant? Je te désire, voilà. C'est attraction magnétique. Ouais, j'ai des doutes. Elle commence à se remettre en question, à mon avis. Voilà, sur le passé. Voyez, et regardez ici l'équilibre sur la révélation, et vous êtes très proche de votre but. Je suis loin de toi. Sur l'image, et je t'aime. Alors, on a l'injustice aussi qui est ressortie. Restez optimiste, équilibre, compensation, et sur croire en l'impossible, et même croire en fait ce que vous vivez aujourd'hui.
c'est le reflet d'hier. Et ce que vous vivez dans le futur, c'est le reflet d'aujourd'hui. Donc, concentrez-vous sur l'instant présent. Croyez que c'est possible. Et ici, on a quoi? L'équilibre. Ok, qui est bel et bien sorti. Je m'élève spirituellement. Cette situation, elle est faite pour vous faire être au même niveau. Si par exemple, vous, vous êtes là, vous aspirez donc à l'amour, vous êtes déjà dans l'amour, eh bien, l'autre personne qui est par exemple dans la haine, dans l'indignation, qui ne se sent pas digne, qui a besoin de... J'ai l'impression, j'ai le mot bassesse en fait, qui est dans la bassesse, qui est dans les basses d'énergie. Voilà, vous pouvez pas être... Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas compatible, c'est que si elle reste là dans l'ego... En fait, soit vous vous descendez, donc vous perdez toute l'évolution, l'élévation que vous vous êtes attelé à faire, ce qui serait dommage, soit vous patientez. Je vous ai beaucoup parlé de Snoop Dogg en octobre, c'était son mois anniversaire, puisqu'il est du signe de la balance, comme Eminem d'ailleurs. Mais Snoop Dogg disait souvent, les gens vont essayer de te tirer vers le bas parce que plus tu t'élèves, plus tu les mets en face de leur propre incompétence ou... leur propre défi à relever. Donc souvent, elles vont s'agripper et puis on va s'en séparer, se détacher. Et inversement, hein, il y a certaines personnes, elles vous quittent parce qu'elles sentent que vous pourriez les ramener en arrière, ce qui peut être injuste, mais voilà, c'est toujours de toute façon quelque chose, quand on ne le veut pas, on peut le vivre comme une injustice. Mais c'est le temps de recalibrer, que les deux soient au même niveau. Voilà, on attire qui on est. Donc forcément, si par exemple vous aviez, vous étiez là, vous vous attiriez mutuellement et qu'il y en a un qui monte, bah, l'autre soit il est obligé de monter, soit il vous fait redescendre et vous allez sentir que bah non, et vous allez quand même monter. Donc là, je pense que c'est à elle de faire le travail, qu'on vous a éloigné temporairement le temps de solidifier de votre côté cette renaissance. Cette personne va se rendre à l'évidence. Pour moi, c'est clair, net et précis. Sauf que ce ne sera peut-être pas cette semaine, mais c'est en bonne voie. Continuez. Alors, on a l'automne. On a le lâcher-prise. J'allais le dire, hein, le lâcher-prise, c'est l'automne. C'est aussi les feuilles mortes. On a l'âme sœur. Oui, elle va se rendre compte. Et c'est durant cette séparation qu'elle va possiblement se rendre compte que vous étiez finalement... Enfin, clair, mais pas plus verte ailleurs. Changement. Voilà. Changement qui se met en place. Et on a l'union. Donc, ça fait deux fois qu'on voit l'union. Retour d'amis. Bonne union des cœurs. OK. Donc, gardez confiance. On va prendre un message ici. Alors, attendez. On n'en veut qu'un. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que cette personne écoute ton cœur? Dirait grand-mère Feuillage. Écoute ton cœur, Pocahontas. Tout me semble si simple avec toi. Je t'aime. Donc on a deux fois l'amour. Il va peut-être y avoir des déclarations, mais ce ne sera pas pour autant le temps de la construction. Je vous ai dit, prenez votre temps, c'est pas pour rien. Elle est en train de se libérer, elle est aussi encore fragile. Et regardez où ça vous mène. Restez dans l'instant présent, ça va être la clé. J'ai du mal à comprendre. Alors pour moi, elle a résisté. J'ai besoin de te voir plus souvent. Tu me manques, nos discussions me manquent. Oui, c'est un acte de foi que vous allez faire, c'est-à-dire, ok, moi, je vais faire preuve de, de détermination, de persévérance, je vais tenir. Si elle vous propose un truc en demi-teinte, c'est-à-dire, bon, on reste amis, mais de temps en temps, excuse-moi, ouais, je vais faire de la place pour quelqu'un qui veut vraiment être avec moi, parce que moi, j'ai envie d'être vraiment avec moi. Donc, tu vois, c'est pas compatible. N'ayez pas peur de vous affirmer. Dans le sens, non, en fait, ça ne correspond pas à mes valeurs. Mais pour ça, il faut que vous ayez travaillé ces valeurs-là. Et en vous aimant, vous allez voir que cette personne va comprendre ce qu'elle a loupé, ce qu'elle a raté. Et ça va créer du manque. Pour moi, il y a du manque qui va être créé cette semaine. Ce n'est pas pour autant que tout va se débloquer, dénouer, que ça va repartir. Je vous explique ça justement dans le guide du silence radio. Mais que c'est aussi les fondations pour plus tard. Donc en résistant, en ne cédant pas tout de suite aux avances de quelqu'un, vous lui dites que vous êtes en train de vous aimer, de vous respecter. Qu'est-ce qu'elle a comme choix?
Bah, aucun, à part celui de vous aimer, de vous respecter. Sinon, si ça ne lui correspond pas et qu'elle ne veut vraiment pas évoluer, elle ira vers des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire le même taux vibratoire. Par exemple, le manque d'amour de soi, elle ira vers des personnes avec qui c'est facile, avec qui c'est fluide, parce que justement, si elle est dans comment dire, dans la manipulation, elle ira vers des personnes qui aiment se faire manipuler. Enfin, c'est pas qu'on aime se faire manipuler, mais qui auront tendance à ne pas cadrer les choses, à se faire avoir et ensuite à pas s'aimer, puisque quand on fait ça, on s'aime pas. Voilà, quand on manipule les autres, c'est que on s'aime pas beaucoup. On a besoin d'obtenir, alors que tout est en nous. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment laisser cette personne s'en rendre compte. Pour l'instant, elle est perdue, elle est égarée, elle fait peut-être même n'importe quoi. Laissez-la faire, laissez-la faire. Voyez que si ça s'arrange pas, n'insistez pas, ça va être pire. Moi, je pense qu'il va y avoir des choses, des dénouements, des déblocages soudains, et que c'est en lâchant prise, en vous occupant de vous, que ça risque de se produire le plus vite possible. Après, voilà, persistez. Cette personne compte pour vous. Ok, si elle compte pas pour vous, vas-y, enfin, vas-y. Ça y est, je vous tutoie maintenant. Donc, laissez faire, laissez faire. On vous dit, vous êtes plus proche que vous ne le croyez. Vous êtes plus proche d'atteindre vos buts que vous ne le croyez. Mais là, pour l'instant, rien ne sortira de bon si vous essayez de contrôler la situation. Vous faites une pause. Cette personne, elle aura une révélation comme une grande. Parce que vous croyez bien que les planètes s'occupent d'elle aussi. Les énergies, les guides, les messages, la 5D s'occupe de lui aussi. Elle peut être dans le reniement tout ce qu'elle veut, mais au bout d'un moment, elle va se rendre à l'évidence, ça va être violent pour elle. Et peut-être qu'on ne vous souhaite pas d'être dans les parages pendant que ça se passe. Il y a aussi ça pour certaines personnes. Vous ne devez pas assister à certaines choses parce que ça risquerait de vous mettre dans tous vos états. Et on vous dit, concentrez-vous sur vous, vos propres buts, vos propres désirs, vos propres aspirations. Libérez-vous de ce qui ne vous convient pas, vous allez voir que ça va vous revenir dans le sens vous vous respectez, on vous respectera. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette première semaine de janvier, elle va ressortir, vous inquiétez pas, elle est tellement sortie dans les jeux que elle n'aura pas d'autre choix que de se montrer, de montrer sa petite face, mais dans un premier temps, quoi qu'elle vous propose, observez bien vos réactions, vos émotions, ce que vous ressentez, est-ce qu'elle est sincère, est-ce qu'elle est voilà, si elle vous propose quelque chose, n'acceptez pas en espérant mieux plus tard, parce que vous donnez la teneur comment dire, de votre valeur, de ce que vous estimez devoir recevoir. Si vous recevez des miettes de pain, demandez-vous à quel moment ai-je accepté des miettes de pain? Voilà, si une personne annule au dernier moment, moi clairement ce que je fais, c'est que je vais lui dire, d'accord, je peux comprendre, qu'il y ait une bonne raison, ça ira pour cette fois. Ça ira pour cette fois, je peux comprendre qu'il y a une bonne raison. Et ensuite, j'envoie un message au même numéro, j'ai déjà fait, hein, et ça a bien fonctionné, en disant, ah bah finalement, je suis libre ce soir, je t'appelle quand je suis devant chez toi. Voilà. Et la personne, donc, qui m'avait annulé au dernier moment, s'est rendu compte, enfin, en fait, je lui passais un message qui est, j'ai une vie. Et je vais avancer sans toi, parce que si toi tu ne me fais pas de place, alors que moi je suis prête à t'en faire, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc je vais octroyer sa chance à d'autres, enfin leur chance à d'autres personnes. Résultat, la fille des pieds et des mains, non mais en fait, la Liga, ça peut attendre, machin et tout. Je dis, ah ouais, non, non, moi c'est bon, j'ai pas envie de galérer, de courir après, d'être dans. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, est-ce que voilà, j'ai envie de simplicité, j'ai pas envie de mind game en fait, j'ai pas 12 ans, donc si t'es immature, si t'es trop immature et tu veux pas assumer, bah, va vers quelqu'un qui s'appelait ce genre d'attitude, pas à moi, voilà. Et là, je peux vous dire que même 8 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, elle était encore en mode ouais, bon, salut, je suis dispose, tu veux qu'on se voit, moi j'aurais vraiment envie, ça m'intéressait plus. Parce que voilà, mes aspirations, je suis fidèle à ces aspirations. Et cette personne s'est rendue compte que je n'allais pas baisser, dégrader mon estime de ce que je mérite, enfin de mon estimation de ce que je mérite. Et finalement, soit elle collait au train, soit elle collait pas au train. Et bien, elle a décidé de lâcher l'affaire et d'aller vers d'autres horizons. Grand bien lui fasse, et moi, grand bien me fasse. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour l'établissement de cette nouvelle année 2024. Tenez bon, moi je sens que la personne, elle est encore dans l'ego, mais elle peut craquer à tout moment. Donc, le mieux que vous puissiez faire,
pour être dans la fluidité, dans cette renaissance, dans ces fondations solides et surtout cette maturité émotionnelle. Il y a un livre, hein, sur lisez un livre sur l'intelligence émotionnelle, choisissez vos combats et surtout, choisissez-vous toujours. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!